les directeurs de Studio Canal Distribution, bienvenue à toi, Vincent, et bienvenue à toi, François. Alors François, tu étais en train de chercher ton enveloppe entre les sièges. Bienvenue à toi, Vincent. Sans déflorer le suspense, comment on arrive à créer un monde de toutes pièces? Alors on part de rien du tout, donc pour les enfants qui ont l'habitude de dessiner, imaginez, vous avez votre feuille de papier, elle est toute blanche, et puis vous commencez à dessiner un personnage, puis un deuxième. Si vous arrêtez là, on n'a pas de décor. Donc il faut aussi créer le sable, les rochers, l'eau et le ciel, donc on décide de la météo. Si vous avez envie qu'il fasse beau jour là, hop, on met des ciels bleus, des nuages, tout ce qu'il faut. Si au contraire vous voulez une tempête, on peut tout créer, mais tout ça, ça demande beaucoup de temps. Il y a 120 personnes qui ont travaillé 2 ans pour réussir cet exploit. Je suis très très fier de vous le proposer aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un très très bon moment. Alors, en deux mots, pourquoi tu t'es intéressé à Robinson Crusoe? C'est l'histoire qui t'a vraiment marqué? Alors, c'est difficile de trouver une histoire qui a des thèmes aussi universels. Donc, tous les enfants ont toujours voulu construire une cabane, partir à l'exploration d'une île déserte, manger des fruits un peu étranges, être amis avec les animaux. Alors ici, on a la chance avec Robinson Crusoe d'avoir tout ça en même temps, on a de l'aventure, on a des choses incroyables, mais on a pris beaucoup de liberté par rapport au roman pour amener de l'humour en racontant tout ça du point de vue des animaux, donc je pense que vous allez bien vous amuser aussi. Et alors, dernière petite chose, parce que ça m'a marqué tout à l'heure, tu m'as parlé des bruitages que vous avez créés pour faire des voix, des sons d'animaux originaux, etc. Ça sort d'où en fait? On invente ça comment? On prend des noix de coco, on les frappe sur les cailloux. Alors, il y a plusieurs types de bruitages. Il y a les bruitages type d'ambiance, donc une tempête, etc. Il va y avoir les bruitages ponctuels, donc chaque fois que vous avez quelqu'un qui marche, un animal, etc. Chaque fois que vous entendez ça, c'est quelqu'un qui fait le bruit. Il y a 4 pattes par animal. Donc, vous imaginez des animaux très compliqués qu'ils ont dû faire. Mais en plus, la difficulté de ce film, c'est qu'on a des animaux qui parlent, et heureusement, vous les comprenez. Et par moments, c'est même des bruits d'humains. Donc, ils doivent commencer en parlant normalement, puis d'un coup, ils vont faire. C'est un perroquet. Et l'équilibre entre un chien, un perroquet, un chat, etc. C'est très délicat à trouver. Et là, les acteurs, ils ont fait un boulot incroyable. Eh bien, merci beaucoup. Bravo à notre réalisateur Vincent. François Claire, merci de nous offrir cette découverte ensemble dans cette belle ambiance aujourd'hui. Merci Esteban. Moi, je voulais remercier Vincent qui est venu de Bruxelles ce matin avec sa femme et sa fille pour découvrir le film avec vous. D'abord, merci Vincent parce que Robinson Crusoe est vraiment une excellente, enfin une magnifique aventure que toutes les équipes de Studio Canal ont plaisir à vous proposer ce matin. Je crois que c'est un film qui est produit par EnWave. EnWave et Studio Canal, c'est maintenant une collaboration de longue durée après Samy, après le Manoir Magique. Il y a un savoir-faire, vous allez voir une 3D qui est, à mon avis, inégalée aujourd'hui en termes de fabrication. Et puis, je pense que vous allez tous tomber amoureux de Rosie ou de Carmelo. Et, bref, de ces animaux qui peuplent cette île bien étrange et qui accompagnent Robinson. J'ai quelques personnes à remercier, notamment les membres du groupe Lagardère. Je pense à Télé 7 jours, je pense à RFM, je pense à Gulli. Merci également à Direct Matin et Hello Kids de nous accompagner. Et puis, pour ce qui est de cette opération, merci à Way2Blue, Mercredi, Silencio et Colicoban de nous avoir permis de la monter. Et j'espère que vous êtes heureux des petits cadeaux et pour les 60 personnes, des gros cadeaux que vous avez eus dans cette salle ce matin. Je crois que vous avez parce que c'est vraiment des gros cadeaux. Il y a des très belles choses. Et puis voilà, avec Vincent, on vous souhaite bon film et surtout bon voyage sur cette île déserte, pas si déserte. Bon film. Merci beaucoup François Claire. Merci.